Waouh, quel suspense! Il ne reste plus qu'une poignée de secondes avant la fin de la compétition Super League 3000X ici, à la Convention internationale du jeu vidéo. Et tandis que les scores restent très serrés et que la partie touche à sa fin, qui sera le grand vainqueur? Monsieur Side of Focon von Lützenbergstrom ou Axe Fiss? Non, pas cette fois, von Lützenbergstrom. C'est... Mesdames et messieurs les avatars, nous avons un gagnant et il s'agit de Hack Smith. Hack, tout le monde sait après quoi vous courriez ici. La récompense ultime a accompagné votre véritable équipe préférée de Super League lors de sa prochaine rencontre et vous serez l'un d'entre eux. Alors Hack, quelle équipe allez-vous choisir? Eh bien, je crois que les heureux élus seront les... Super Strikers. Mais où est donc notre coach Meister? Je l'ai jamais vu en retard. Surtout qu'il nous répète encore, et encore, et encore. Et toujours à quel point le prochain match est capital. C'est parti, c'est parti. Verrez, Matador, comment il a marqué son but en finale de la Super League l'an dernier. Et à Big Beau de me dire comment il s'entraîne et à chaque semaine. Ne le perdez surtout pas. Votre billet pour le match se trouve à l'intérieur. Oh. Les gars, je vous présente le nouveau membre de l'équipe. Hack. Hey, salut, comment ça va? Salut, ça va? Le champion du jeu vidéo. Bienvenue à bord, mec. Maître Uragiri. Notre préparation pour le match des Super Strikers se passe bien. Maître, je suis certain que vous ne serez pas déçu. La confiance en soi est une très bonne chose, Miko Chen. Mais avec les Super Strikers et leur coach, rien n'est acquis. Redoublez d'efforts. Maître Uragiri. Être confiant, c'est très bien. Mais être sûr, c'est mieux. Hé, Shaix, tu veux jouer à la Super League 3000X? Je te laisse un but d'avance, ça te va, Shaix? Ça te va? Je joue déjà en Super League, mec. La vraie Super League, ok? Celle où de vrais joueurs se disputent le contrôle du ballon. Ouais, mais bon, dans la vraie vie, vous allez avoir de gros problèmes, mec. Nakama est l'équipe qui monte en ce moment, et ils vont vous accueillir avec un truc du genre « Hé, Super Strikers, ça vous dit une petite défaite ?» Espèce sale petit. Nakama est en effet devenu redoutable. Notamment en usant de tactiques inédites. Vous devez garder les yeux et les oreilles ouverts. L'inspiration peut parfois vous venir par des voies inattendues. J'ai joué tellement de fois contre Nakama, tellement de fois, et j'ai jamais terminé le niveau final. Ils ont une phase de jeu qui vous met à genoux. Et moi j'étais là, gauche, droite, puis rouge, tout en restant sur X, mais ça n'a pas suffi. Hack, nous avons un très important match à disputer. Alors du calme. Non, mais je le sais déjà. Je vais vous dire. Oh, attendez, faut que je sauvegarde. Donc, comme je vous disais, Nakama, ils sont... Ouais! Je me rends directement au centre d'entraînement. Reste bien tranquille à l'hôtel et après ce sera l'heure de s'entraîner. Regarde comme il fait beau, muchacho. Ce garçon, il ne pense à rien d'autre. Si c'est bien vrai, mec, dans pas longtemps, il sera plus capable de faire la différence entre le jeu virtuel et le vrai jeu. Tu
Super League 3000X est la console de jeu la plus aboutie de sa génération. Ouais. Les attitudes de chaque joueur ont été reprises par le biais du motion capture. Il faut Tandis que les stratégies des équipes proviennent du visionnage de milliers de matchs, vous voyez. Il y a tout, c'est absolument génial. Vous devriez l'essayer. Oh, super. C'est pas pour ça que je suis venu ici. Ça ne ressemble pas au coach. Ouais. On peut pas s'entraîner toute la journée sans connaître la stratégie du coach pour affronter Nakama. Il n'a pas dit qu'il venait directement ici? Et il nous a même pas envoyé de message. Hein? Oh. Ça vient du coach. Salut à tous, je suis parti à la pêche à la ligne. Je ne sais pas, je viendrai peut-être pour voir le match, peut-être pas. On verra bien. Ça ressemble pas à un message du coach, hein? Je crois qu'on ferait mieux d'appeler la police, man. J'ai envie de jouer à un jeu, coach. Mais pas de jouer au football. Je parle d'un autre jeu. Qui êtes-vous? Non. C'est pas vous qui posez les questions, coach. C'est moi, le chef, ici. Ok. Mais vous êtes le chef de quoi, au juste? De plein de choses. La stratégie du coach pour ce match est l'un des sujets sportifs les plus débattus du moment. Sa science et sa maîtrise tactique seront la principale arme dont disposeront les Super Strikers contre Nakama. Tout ça serait super méga extra cool si le coach n'était pas aux abonnés absents. Oh, c'est comme jouer les yeux bandés, les gars. En signe de respect, peut-être qu'on devrait déclarer forfait. La police a mis ses meilleurs hommes sur cette affaire. On va jouer ce match pour le coach et on va le gagner. Hack domine Nakama. Hack domine Nakama. Hein? Ok, et alors? Où est Hack? Shakes, man. Hack n'est plus là. Quoi? Comment tu le sais? Son petit maudit. Je vous quitte et je ne reviendrai pas. Mais il a oublié d'emporter sa console. Peut-être qu'il était pressé. On n'a pas fait grand-chose pour l'aider à s'intégrer, Shakes, man. Pourquoi est-ce que tout d'un coup tu veux que Hack-san revienne? Shakes? Je crois qu'il a son idée sur la manière de gagner le match contre Nakama. Je veux jouer à un jeu, coach. À quel jeu voulez-vous jouer? Le jeu du « je te vois » serait pas mal. Je te vois, je te vois, je te vois. Toi dont le nom commence par... Où? Non, où? Où? Ouragiri. Attendez, je ne suis pas Ouragiri. Oh, meilleur coach du monde. Ouragiri, tu dois vraiment me laisser partir. Non, c'est... si j'étais Ouragiri... Tu deviens vraiment lourd, Ouragiri. Ok, j'ai changé d'avis. Je m'en vais. Amusez-vous bien. Adieu, coach. Hey, reviens, Ouragiri. Laisse-moi sortir. Ah, mon frère, tu me fais ressembler à un clown. J'ai une réputation à défendre, moi. Ah, pourquoi tu me fais ça à moi et à mon joli visage? Jakesmeister, à quoi ça rime tout ça? Il me faut juste un peu de temps pour maîtriser ça. Comment ça va nous aider à battre Nakama, Shakesmon? Si j'arrive à passer ce niveau, je crois que je peux trouver ce que Nakama nous réserve pour demain. Gauche, gauche, rouge, triangle, zéro, vert, droite, vert, X. Pour les Super Strikers. Comme vous dites, Mac. Ouais. Ces tactiques, ces phases de jeu, elles ont l'air tellement réelles. Nakama a du souci à se faire. Comme vous dites, Mac. Good.
pour les Super Strikers. Comme vous dites, je peux battre Nakama. Je peux battre Nakama. Ouais. Vous avez passé le niveau 1. Les Super Strikers accèdent au niveau 2 sur 250. Oh 250 niveaux. Oh. On doit trouver Hack. Mais comment? Hein? Mec, t'as passé toute la nuit à jouer sur ta console? Je suis choqué par ce comportement si peu respectueux de l'équipe. Je viens de comprendre. Hack a passé les 250 niveaux contre Nakama. Il connaît toutes leurs tactiques. Si on le retrouve, on a une vraie chance. Mais c'est pas le moment. Je crois que le coach a des ennuis. Ce matin, j'ai reçu ceci. Nous avons une conférence de presse ce matin. Nous y lancerons un appel à témoins. Waouh, cette ville est chouette. Il y a peut-être d'autres chouettes endroits. Il y a peut-être tout un monde à explorer. En dehors du jeu. Ma console! C'est jour de match. Hélas, en l'absence du coach des Super Strikers. C'est Uragiri qui joue sans opposition aujourd'hui. Allez, allez! Hack a dû recevoir mon message. Surveillez-les bien. Nous devons essayer d'anticiper leur jeu, mes frères. On joue à guichet fermé. Le Nakama Stadium peut contenir 70 000 spectateurs. Et pourtant, les chiffres montrent une fréquentation de 69 999 personnes. Qui serait assez bête pour ne pas assister à un tel match alors qu'il a un billet? J'arrive pas à croire que j'ai oublié ma console. Ils ont pas intérêt à l'avoir touchée. Oh, ils l'ont touchée. Et ils n'ont pas gardé ma place. Honte à vous, Super Strikers. De bien vouloir contacter les autorités aussi vite que possible. Hein? Merci à tous. Ce sera... Je voudrais juste dire à mon ami Hack que je suis désolé de ce qui s'est passé pendant le... Enfin, que je suis désolé pour tout. Et s'il te plaît, reviens vite. J'ai joué à ton jeu et je crois qu'il pourrait... Vous l'avez entendu? Sale maman que ceux que traversent les Super Strikers avant ce rendez-vous crucial... Ils ont besoin de moi. ...contre un Nakama complètement transfiguré. Mais quel espoir les Super Strikers peuvent-ils nourrir en l'absence de leur célèbre coach? Il est temps de jouer au football. Pour de vrai. Nakama a beaucoup impressionné les observateurs dernièrement. Voyons quelle parade les Super Strikers ont imaginé. Sans leur coach, ils ne sauront jamais à quoi s'attendre. Waouh! Sans le coach, on est complètement perdu, Captain. Oh! Quelle facilité déconcertante! Oh! Oh! But! Et un! Et deux! Et 2-0! J'ai pas perdu la main après tout ce temps. Oh, mec, il nous faut le coach. Hein? Hein? Hack, t'es revenu. Salut les gars. Salut à toi, joueur faux. Hack, tu vas être notre coach. Toi seul peux nous dire ce que Nakama est sur le point de jouer. Tu vois, Hack, tu as un ami aussi fou que toi. Il est resté toute la nuit sur ta console. Jax, Hack est juste un gamin frangin. C'est vrai, man. C'est vrai que c'est un champion. Mais virtuellement. J'ai joué à Super League 3000X.
Tu peux me croire. Hack sait exactement tout ce qu'il y a à savoir sur la tactique de Nakama, exactement comme le coach. Rappelez-vous des mots du coach. L'inspiration peut venir de la façon la plus inattendue. Oh, j'espère de tout cœur que tu as raison, Shakes. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que Nakama réserve ses tactiques les plus tordues pour les périodes les plus difficiles. Plus vous les malmenez, plus dur sera leur jeu. Wow, mon garçon, comment tu sais tout ça? En fait, c'est comme les niveaux sur Super League 3000X. Maintenant, souvenez-vous, si vous égalisez en deuxième mi-temps, ils vont vraiment vous tomber dessus. Et pas qu'un peu, ils vous feront le Bushido standard. Un, deux, trois, Super Strikers! 11. Conditions de jeu. Eddie Nakamura, 124 pas. 17%, vitesse du vent. Kenzo Honda, 22, vitesse. Taux de réussite sur coup franc. Ah ah, Kojiao, le milieu de terrain gaucher. Je vous tiens. Quel but! Ah, ils se sont bien ressaisis. Ce gamin, hein? Qui l'eût cru? C'est quoi qui est cru, hein? Superbe travail des hommes en rouge! Ouais! Mais qui est ce mini-coach? Les Super Strikers veulent la bagarre, eh bien ils vont l'avoir! Bushido standard. Oui! Ne croyez pas que vous pouvez vous relâcher. Nakama est sur le point d'élever sérieusement son niveau de jeu et de mettre en place une tactique à laquelle vous auriez dû vous préparer dès votre arrivée ici. D'accord, mais bon, on fait quoi? En fait, c'est simple. Il faut faire gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Ok. Et tu peux traduire ça en bon français, gamin? Gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Twisting Tiger a failli prendre tout le monde de vitesse. On s'approche dangereusement du but des Super Strikers. Nakama se regroupe dans la surface. Serait-ce le moment de vérité pour Nakama? En tout cas, ils ont bien surpris les Super Strikers sur cette action. Gauche, gauche, droite, vert, tout en pressant X0. Shakes reprend le ballon et lance la contre-attaque. Ouais. Nakama redescend en ordre dispersé. Même si personne n'aurait parié sur eux, les Super Strikers réalisent tout de même une sacrée deuxième mi-temps. But! Les Super Strikers remportent la victoire! On a gagné, on a gagné! Mais comment est-ce possible? Ok, t'as fait du super boulot, gamin! Super bien joué, mon frérot. Merci, Hackman. Tu as l'étoffe d'un futur grand coach. Coach? Mais où est-il passé? Hein? Coach? Mais vous étiez caché où, bon sang? Le Bushido standard! Comment avez-vous fait pour contrer cette attaque? L'inspiration vient parfois de manière vraiment inattendue. Coach, est-il vrai que vous avez subi le traumatisme d'un enlèvement aujourd'hui? Je peux avoir mon téléphone. Votre téléphone? Pourquoi je l'aurais, coach? I'm finally here. Vous avez mis le thème des Super Strikers comme sonnerie? Le thème des Super Strikers est très populaire au Japon. Je vais laisser ma boîte vocale prendre le message. Ici le coach, vous savez quoi faire. La voix du coach est aussi très populaire comme message d'accueil.
C'est pas la peine, j'y arriverai jamais. J'abandonne. Hey Ace, faut que je te raconte un truc. Un jour, j'ai vu un joueur faire une feinte incroyable à la télévision. Alors je me suis pointé ici, sur le terrain communal. Ici? Eh oui, je viens de ce quartier, mec. Mais bon, donc, j'ai répété cette feinte pendant des jours et des jours. Alors combien de temps ça t'a pris pour bien la maîtriser? C'est ça le truc, j'essaye encore. Toi? Tu y es jamais arrivé? Eh non, mais j'ai pas abandonné l'idée. Un de ces jours. J'arrive pas à croire que tu aies démarré ici comme moi, Shakes. Pourtant, c'est le cas. Super Strikers! Je sais pas pourquoi je reviens toujours ici. Hein? Mais c'est pour quoi faire? Personne t'a dit? On va démolir cet endroit. Le démolir? Non! Mais, enfin, je... Mais qui ferait ça? Invincible United a racheté le stade communal. Et maintenant, Vince et Scara sont sur le point de le démolir. Oui, mais ils vont peut-être en construire un plus beau pour les gosses, non? Non, ils veulent construire un centre de remise en forme pour riches athlètes. Hey, tu sais combien ils prendront pour une manicure? Elle m'adore. Ok, ok, c'est vrai que c'est terrible. Je peux partir en vacances maintenant? Le conseil de Tonton Cool Joe est: reste cool quand tu passeras à la télévision ce soir. Ouais, que personne ne te parle du stade communal, ni du fait que Vince est sur le point de le détruire. Ok, bonne vacances. Il a raison, prenez du bon temps et reposez-vous. On se voit dans une semaine pour le match amical des All-Stars. Je suis sûr qu'on va bien s'amuser. La semaine prochaine, les Super Strikers affrontent les All-Stars, une sélection des meilleurs joueurs de la Super League. Notre invité du jour va nous parler de ce match amical. On reste C'est cool. Un joueur qui fait passer le football pour un jeu d'enfant. Vos applaudissements pour Shakes. Salut, salut tout le monde. Merci Rob. Alors, Shakes, le match contre les All-Stars. Les 11 meilleurs joueurs de la Super League affrontent... Les All-Stars? Elle est bien bonne. Sérieusement, Shakes, beaucoup pensent que vous ne pouvez pas gagner ce match. Les All-Stars jouent très bien cette année, mais nous sommes tous là pour nous faire plaisir. Le résultat importe peu, vraiment. Ce qui compte, c'est de faire plaisir à nos fans. Puisqu'on parle de plaire aux fans, nous avons un invité surprise. Vraiment? Non seulement il s'agit d'un joueur acclamé qui jouera avec les All-Stars la semaine prochaine, mais son équipe a talonné les Super Strikers durant toute la saison. Mesdames et messieurs, le capitaine des All-Stars, Scara! Moi! Moi! Toi! Comment ça, moi? Toi! Lui? Je pensais vous inviter tous les deux pour nous parler du match. Reste cool. Que puis-je dire, Rob? Les All-Stars vont tout simplement balayer les Super Strikers. Non mais vraiment, un centre de remise en forme. Les All-Stars n'ont jamais perdu un match. Voilà peut-être ma chance de renverser la situation. Les Super Strikers n'ont pas la moindre chance. Tu es bien sûr de ça, Scara? Oui, sûr et certain. Sûr comment? Sûr à 500%. Ok. Assez sûr pour jouer le stade communal sur ce match? Hein? Scara, à quel point vous êtes sûr de vous? Pas de bêtises, Scara. Tu plaisantes, là? Pourquoi, tu as peur? Non! Ok, Paraît tenu, alors. Très bien, le match se termine à 16h. On va le gagner, et ton stade communal va faire... Boum! Wow! Eh bien, on dirait que le match amical est devenu... Comment dire, beaucoup moins amical.
Pourquoi te mettre dans cet état? Si ça pose réellement un problème, on peut juste revenir sur notre promesse. Mais on ne pourra pas. Tu as fait une promesse en public à la télévision. On deviendrait tout de suite la risée de la Super League. Vince, ils n'auront le centre que s'ils battent les All-Stars de la Super League. Et ça, c'est simplement impossible. Ils vont seulement se ridiculiser. Je le sais, tu le sais, et Shex le sait. Assure-toi simplement que les All-Stars ont vraiment envie de gagner. Vraiment très envie. Shakes, alors que vos coéquipiers sont tous en vacances, n'est-ce pas le mauvais moment pour lancer un tel défi? Pas de commentaire. Quel entraînement spécifique les Super Strikers vont-ils entreprendre cette semaine? Nous serons prêts. Les gars, vous êtes tous avec moi? Oh, dis donc! Pas ta meilleure prestation, mec. Ça paraît drôlement vide sans les autres joueurs, hein, Shex? Ce serait quand même beaucoup mieux s'ils étaient là pour s'entraîner avec toi. Ouais, merci de me le rappeler, Spence. Tiens, j'ai un meilleur exercice à te proposer. Entraîne tes pouces. Désolé, je suis en vacances. Pas la peine de laisser un message, je vous rappellerai pas. À bientôt. Salut les garçons et filles, je passe de super vacances en Indonésie à surfer comme un malade du matin au soir sous les tropiques. Salut, c'est Cool Joe. Cool Joe, il faut vraiment que vous reveniez les gars. Vous pensiez vraiment que j'allais répondre en vacances? Laissez un message. Et de ton côté? Rien, je crois que t'es tout seul sur ce coup. Je veux vraiment remercier Ninja et les Cosmos de nous laisser nous entraîner ici pour le match contre les Super Strikers. Merci à vous les gars. Aucun problème. Notre jeu de maillot des All-Stars vient juste d'être livré. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que je suis honoré d'être votre capitaine. Vous formez une équipe de légendes vivantes. Au cours des derniers mois, nous avons été des adversaires, mais la semaine prochaine, nous allons nous unir pour vaincre notre ennemi commun, les Super Strikers. C'est juste un match amical. Et si vous aviez besoin d'une incitation supplémentaire pour tout donner sur le terrain? Alors sûrement qu'une nouvelle voiture de sport fera l'affaire. Avec les compliments de l'invincible United. Pop, pop, pop. Seulement après la victoire. Super Strikers sont les meilleurs! Vous n'avez aucune chance, les All-Stars! Allez, Shex! Allez, Shex! Ça sert à rien. Je peux pas y arriver tout seul. Shex mort. Captain! Les gars! C'est vraiment pas le moment de se laisser aller. Alors, vous me l'avez trouvé ce téléphone? Le gros téléphone rouge, monsieur? Installez-le dans ma loge à Strikeland. Ce sera ma ligne directe pour la démolition. Bien, monsieur. Et ensuite? Le match termine à 4 heures. Les All-Stars auront gagné. C'est à ce moment exact que je vous appellerai depuis ce téléphone. À vous qui serez au centre communal et que je vous donnerai vos instructions. La démolition pourra commencer. À ce moment-là, les engins seront prêts à attaquer. Quelques minutes après la fin du match, le centre communal ne sera plus que ruine.
Les All-Stars forment vraiment une sacrée équipe. Oui, les meilleurs joueurs de la Ligue, dans la même équipe. Et nous avons l'expérience nécessaire pour les battre. À un moment donné cette saison, nous avons dominé chacun d'entre eux. Oui, vous vous souvenez de ce match contre de Los Santos au Mexique? Et comment on s'est inspiré du style de jeu brésilien pour dominer Donaldo? On s'est même mis sur orbite pour affronter Meda. Et on a battu Liquido dans son stade flottant contre Hydra. Hubert? Et Scara? On l'a battu lui aussi. Si une équipe peut vaincre celle des All-Stars, c'est bien nous. Ouais. Hein? Waouh! Du coup, il y a des tas et des tas de gens qui comptent sur nous, les gars. Oh, génial! Le match d'aujourd'hui ne rapporte pas de points en Super League, mais à en voir tous ces spectateurs, ce pourrait être le match de tous les dangers pour Shakes. À exactement 16 heures, en supposant que les All-Stars gagnent, les Bulldozers commenceront à exécuter les instructions de Vince. Depuis sa ligne directe dans sa loge à Strike Island, il sera en contact permanent et en temps réel avec son équipe de démolition. Ils ne vont pas perdre de temps, on dirait. Jour de match à Strike Island, avec une pression supplémentaire ce soir, mes amis. Car non seulement nous allons assister à un superbe match des All-Stars, mais Shakes a lancé un véritable défi aux meilleurs joueurs de la Super League afin d'essayer de sauver son stade communal adoré. Essayez bien le mot-clé, Mac. À 16h, si les Super Strikers n'ont pas gagné ce match, le stade communal en question sera transformé en un amas de gravats. Du fait de ces circonstances particulières, nous avons dépêché une de nos équipes sur place. En plus de nos moyens habituels pour suivre le match, voici Vince dans sa loge, ici, à Strike Island. Il semble que les Super Strikers se soient spécialement préparés pour ce choc des titans. Tout à fait, ce match amical s'est transformé en une véritable compétition pour pas mal de gens. Allez. C'est bien ça. Il y a 11 voitures de sport, une pour chacun d'entre vous. Les Super Strikers se sont fait surprendre par l'improvisation de Donaldo. Oh, et voilà que Meda fait admirer sa célèbre technique aérienne. Les All-Stars ont la haute main sur la rencontre. Magnifique frappe de la part de Donaldo. Oh, on dirait que les Super Strikers lui servent la victoire sur un plateau. Mais quelle idée! On ne peut pas battre l'équipe des All-Stars. Oh. Shakes Mohan, tu dois assumer le défi que tu as lancé. Ouais, mon frère. Nous sommes plus qu'une collection de bons joueurs. Bienvenue. Ouais, et je suis certain qu'on va trouver le bon rythme pour remettre les pendules à l'heure avec ces gugus. En thème. Quoi? On est tous ensemble avec lui, non? Nous sommes des frères dans cette mission afin de jouer le meilleur football de l'histoire. Et sans ce stade communal, pour entraîner les futurs Shakes et les futurs El Matador, nous n'aurons pas accompli notre mission. Cette saison, notre niveau de jeu a été exceptionnel. Servons-nous de notre expérience pour faire en sorte que ce stade communal ne devienne jamais un centre de remise en forme. Merci, mon frère. Ouais. Je me suis déjà trouvé une bonne manicure. Rien n'est impossible, Shakes. Toute ton équipe est avec toi. 1, 2, 3, Super Strikers!
Face à l'expérience combinée des All-Stars, les Super Strikers vont avoir besoin d'un miracle pour gagner ce match. Les hommes en rouge nous livrent quand même une superbe performance. But ! Oh là là, personne ne s'attendait à ça. Quelle action ! Ouais, ouais, voilà, ça c'est du football. Non ! Les Super Strikers lancent leur dernière force dans la bataille. Il ne reste que 2 minutes à jouer et un match nul ne sera pas suffisant. Plus que 2 minutes, les Super Strikers. Et alors, vous pourrez dire adieu à votre stade communal. Mais c'est pas la peine de jouer comme ça. Du temps additionnel. Il nous reste une chance. Le match se termine à 16h. On va le gagner et ton stade communal va faire boum. Hein? Non, il ferait pas ça. Il a intérêt à attendre que le match soit terminé. Quoi? Hein? Oh. Il ne va pas attendre le temps additionnel. Plus qu'une minute, les Super Strikers. Puis tic, tic, boum. C'est maintenant ou jamais. Ce serait le bon moment de tenter l'impossible. La démolition peut commencer. Oh ! But ! Oui ! Shakes a gagné son pari ! Il a gagné le match et sauvé son stade communal ! Mac. Vince a appuyé sur le bouton à 16h pile. Non. Nous donnons maintenant l'antenne à notre équipe au stade communal. Je ne peux pas voir ça, Brenda. Ils ont vaincu une incroyable équipe des All-Stars et sauvé ce stade communal si important pour Shakes. Comment? Comment on a réussi un tel exploit? Hey, maman, c'est génial, hein? Spenza. Non, il faut que je te laisse. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce téléphone. Donnez-moi ce téléphone. Allô? Allô? Trop tard, mon gars. On a gagné. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
travail de démolition. 1, 2, 3, Super Strikers. Exceptionnelle parade de Big Bo. À croire que c'est lui qui a écrit le manuel du parfait gardien de but, littéralement. Mac. Je suis en train de lire le manuel en question, littéralement. Combien de fois vais-je devoir vous dire Combien de fois vais-je devoir vous dire d'être attentif? C'est ce gars qui empêche l'équipe des Cosmos de gagner un troisième titre en Super League, eh? Beaucoup d'argent, du fric, du flouze, de la bonne vieille oseille. Donc, les Super Strikers plus Big Bo égale... Moi... Paradis. Mais les Super Strikers privés de Big Bo égale... Beaucoup dinero. Polo. Bye, Big Bo. Chat, pas la peine de se casser la tête en défense. Tant qu'on a Big Bo dans les buts, t'es une machine, mon frère. Mais comment tu fais, Big Bo? Je le fais parce qu'il le faut. Eh bien, ça ne devrait pas être le cas. Demain, vous allez tous savoir quel effet ça fait d'être à la place de Big Bo. Peut-être qu'alors, vous cesserez de vous reposer aveuglément sur lui. Un gardien de but doit respecter quatre règles. 1. L'observation. Remarquez tous les petits gestes subtils que l'adversaire fait en passant à l'attaque. Ok, je suis prêt maintenant. 2. L'instinct. Faire confiance à son instinct quant à la direction du tir de l'adversaire. Oh. 3. Les réflexes. Réagir aux frappes et aux mouvements en une fraction de seconde. Je peux le faire! Je peux le faire! Je peux le faire! Je peux pas le faire. Enfin, 4. N'avoir peur de rien. Ne rien craindre. Seulement s'investir à fond dans chaque sortie. Big Bo donne une impression de facilité. C'est juste une impression. Ça c'est bien vrai. Il est temps de chasser Big Bo de la Super League. Voici mon plan. On l'attaque par derrière, on le plaque au sol et... Ok, t'as raison. Il est trop fort. Plan B. On se déguise en serveur et on le... Lancer, on fait rien. Tiens, mais on dirait Ninja et Bolo. J'ai hâte d'être déjà au jour du match, messieurs. Big Bo, quelle coïncidence de tomber sur toi comme ça. Attrapez Big Bo. Hein? Oh, mais où suis-je? Je vous connais? Bien sûr, nous sommes tes grands rivaux en Super League. Chut. Mais bien sûr, mon frère, mon ami, on ferait mieux de te ramener chez toi, hein? Chez moi? Hein? Chez moi? Oh, alors tu te rappelles où tu habites? Ouais, Littleton. Littleton? Mais c'est super loin. Et je suis sûr que tout va bien se passer, mon ami. On va te mettre dans un bus, direction la maison.
Cosmos est une grande équipe avec des attaquants redoutables. Il va nous falloir compter sur un super Big Bo et sur une prestation irréprochable de la part du reste d'entre vous. Au fait, en parlant de Big Bo, mais où est-ce qu'il est? Ouais, c'est pas souvent que Big Bo est en retard pour l'entraînement. Non, jamais. On doit le trouver. Comment vous avez dit que vous vous appeliez? Spenza. Spenza, détective privé. Je suis le meilleur ami de Shakes. Et j'enquête souvent pour lui. C'est cela. Bon, écoutez, j'ai vu Big Bo partir avec deux amis à lui. Des amis? Vous êtes sûr? C'était qui? Aucune idée. Ils ont dit qu'ils le ramenaient chez lui. Banane, problème de mémoire. Chez lui, je crois que je sais où le trouver. Ah! Je suis désolé, mais Big Bo n'est pas à la maison. Il n'y est pas? Ah, j'étais pourtant sûr d'avoir résolu cette affaire. Il n'est pas rentré depuis hier soir. Je suis terriblement inquiet. Albert, Big Bo semble avoir perdu la mémoire et nous devons tout faire pour le retrouver. Des témoins oculaires? Ce sont des témoins auditifs. Prétendent avoir entendu Big Bo dire qu'il rentrait chez lui. Chez lui? Il habite ici depuis des années. Je ne vois pas quel autre endroit il appellerait chez lui. À moins que... À moins que quoi? Il y a une pièce ici dans laquelle vous trouverez peut-être des informations. Super! Allons voir ça. Ce n'est pas aussi simple. S'il existe des indices sur un autre endroit que Big Bo appellerait chez lui, ce doit être là-dedans. Pourquoi je sens venir un mais? Mais vous ne parviendrez pas à l'ouvrir avant d'avoir complété chaque étape du programme quotidien d'entraînement de Big Bo. Waouh! Écoutez, est-ce qu'on peut pas, vous savez, sauter l'étape des devinettes et aller directement dans la pièce en question? Le match, c'est demain. Big Bo n'est pas du genre à prendre des raccourcis. Originaire d'ici? Oui, madame. Du moins, je crois. Tu me rappelles un peu... Eh bien, je crois que ma mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Ne m'en parlez pas. Mais où vas-tu, mon garçon? Oh, là! À Littleton! Enfin! Concentrez-vous sur les cibles que portent les joueurs qui s'approchent de vous. Allez, Shakes! Servez-vous de votre instinct pour attraper la balle, Shakes. Hé, hey, attendez, j'y vois plus rien! Vision nocturne. Je suis prêt. Ok, on peut commencer. Nous essaierons à nouveau un peu plus tard, d'accord? Dans cette partie-là, vous devez utiliser vos réflexes pour arrêter les ballons qui vous arrivent dessus depuis plusieurs directions. Les bons gardiens de but n'ont peur de rien. Oh, attention! Fais gaffe! Alors c'est comme ça que Big Bo s'y prend pour rester au top? Il s'entraîne comme ça tous les jours, Shakes. Ça ne va pas nous aider! Il nous faut juste pénétrer dans cette pièce! Il ne faut prendre aucun raccourci.
Rasta, est-ce que tu as vu Shakes? D'après ce que je sais, il se rendait chez Big Bo. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Maintenant, il nous manque un gardien et un attaquant. On se croirait dans le triangle des Beaumudes. Noah, on dirait que tu vas commencer le match comme titulaire demain. Il faut se bouger, là! Bonne chance, mon frère! La pièce secrète vous attend. Shakes, ça sert à rien. Il ne reste que quelques heures avant le match. On peut pas partir maintenant, Spence. Pas après avoir fait tout ça. Hé, regarde, une photo de Big Bo enfant. Oui, je crois que c'est la première équipe dans laquelle Big Bo a joué. Sa première équipe? Dans sa ville d'origine? Albert, je crois que je sais où on peut le trouver. L'ambiance est électrique avant ce match à Strikeland. Big Bo est toujours manquant et cela crée de la tension. On ne peut qu'espérer que le grand homme revienne vite. Respectons tous une minute de silence et espérons que Big Bo revienne sain et sauf. Excusez-moi, ce siège est... Chut, un peu de respect, mec. Big Bo a disparu. Oh, désolé. Bon, on est bien au bon endroit. C'est ici que Big Bo se sent chez lui. Ah ah! Ouais! Oh, allez! Il me faut juste une piste, un indice, un signe quelconque. Et je l'ai trouvé. Un ventre qui gargouille. Troisième règle du manuel du gardien de but. Suivre son instinct. Les Super Strikers font tout pour protéger leur gardien remplaçant. Merci, les gars. Aucun problème. C'est une performance que nous livre jusqu'à maintenant Murdoch, le gardien remplaçant. Il y a tellement de monde. Excusez-moi, laissez passer. C'est pas vrai. Pardon. Qui aurait pu croire que mon ventre affamé avait autant d'instinct? Big Bo! Big Bo! Je vous demande pardon. Je crois que vous vous trompez de personne. Non! Vous êtes Big Bo! Vous avez perdu la mémoire! Vous êtes un Super Striker! C'est ça que j'aime dans cette ville. Tout le monde a tellement d'humour. Bon, je vais le prouver. C'est vraiment dommage que Big Bo ne soit pas là aujourd'hui. Il rend les matchs tellement plus intéressants. Lui qui enchaîne les sauvetages, il donne l'impression d'être invincible. Big Bo? Big Bo? Mais c'est Big Bo? J'y crois pas. Je suis certain que Noah Murdoch aimerait bien que le cosmos le laisse un peu respirer. Oh, le tacle était plus que limite, et Noah mord la poussière. Carton jaune et Noah voit rouge. Et je crois que Ninja aurait dû lui aussi voir du rouge. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on n'a plus de gardien en réserve, mec. Coach, je crois que je peux y arriver. Frangin, la dernière fois que je t'ai vu dans les buts, tu pleurais au fond des filets. Mais ça, c'était avant que je suive le parcours d'entraînement dans la maison de Big Bo.
Et oui, son majordome m'a servi de coach. Le majordome de Big Bo t'a montré comment garder les filets? Eh ben, tout va très bien alors. C'est vrai, Big Bo a un centre d'entraînement dans sa baraque. Et c'est du brutal, mec. Alors c'est comme ça que notre Big Bo reste toujours au sommet de son art. 1, 2, 3, Super Strikers! Le croirez-vous? À la reprise, c'est Shakes qui garde les buts des Super Strikers. C'est une plaisanterie! Ils mettent ce gringalet de Shakes dans les buts! Il est temps de montrer à Shakes qu'être gardien de but, ça ne s'improvise pas. Hein? C'est du 1 contre 1, Ninja face à Shakes. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à choisir un côté et plonger. C'était quoi déjà les trois règles? Les quatre règles? En premier... Oh bon sang, je me rappelle plus. Où est Big Bo? J'espère qu'il va bien. Cosmos a tiré profit de la présence d'un débutant dans les buts. Ça s'annonce plutôt mal pour les Super Strikers. Est-ce que ça va, Shakes? Oh, c'est bien plus dur que je le pensais. Quelqu'un veut prendre ma place? Tu l'as dit toi-même. Tu es notre meilleure chance. Alors soit tu laisses tomber, soit tu relèves la tête. Shakes! Hein? Dis-lui, c'est moi, Big Bo, je vais bien. C'est moi, Big Bo, je vais bien. Enfin, hein? Il faut que tu rappliques vite. Ça va pas être possible, mon frère. J'ai besoin de ton aide, j'ai tout oublié de l'entraînement de gardien. Il a tout oublié de l'entraînement de gardien. C'est pas grave, dis-lui juste, observation. Observation. Instinct. Instinct. Réflexe. Réflexe. Et, témérité. Témérité. Tu dois juste te détendre et être toi-même. Merci. Ok. Content de t'avoir aidé, Shakes. Hé, hey, il va revenir à temps pour nous donner un coup de main? Il l'a déjà fait, je crois, Klaus. Observation. Instinct. Réflexe. Témérité. Oh. L'entraînement t'a été profitable, Shakes. Quelle incroyable parade! Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Eh bien, venant de vous, ça m'étonne beaucoup, Mac. But! Et encore un pour les hommes en rouge. Maintenant, il ne reste plus aux Super Strikers qu'à défendre leur avance. C'est incroyable! Shakes a vraiment sauvé la mise aux Super Strikers! Ouais! C'est qui le meilleur? C'est moi le meilleur! Waouh! Chouette baraque! Qui habite ici? C'est toi! Au cas où tu l'aurais pas encore compris, tu as du talent, beaucoup de succès et tu es riche! Bienvenue chez vous, monsieur! Merci, Albert, monsieur. Albert. Vous avez des visiteurs, monsieur. Amigo! C'est bon de te revoir, mon frère. Wow! Mais vous êtes les Super Strikers! Oh, oui, je suis censé savoir tout ça. Hé, hey, t'étais passé où? Big Bo! Hein? Salut! Shakes? Je suis Shakes. Hein? C'est bien connu, les mecs. Rien ne vaut un autre coup sur la tête pour guérir l'amnésie. Quoi? C'est vrai? Hey, mon frère! T'es revenu! Hein? Oh!
Shakes? Spenza? Le match contre les Cosmos! Faut qu'on y aille! Trop tard, mec. On l'a déjà gagné. C'est vrai? Ouais. Tout ça grâce à Albert, un entraîneur du feu de Dieu. Et le meilleur d'entre nous. C'est qui le meilleur? C'est moi le meilleur!